Avec la décision de la Cour pénale internationale dans l'affaire Lubanga, le mandat de mise en œuvre des réparations sera utilisé pour la première fois dans l'histoire du fonds. Pursuant to Article 19 of the statute, the testimony of multiple witnesses. Prosecution has proved beyond reasonable doubt that Mr. Thomas Lubanga Dailo is guilty of the crime. La Chambre a établi en principe que les formes de réparation prévues dans le statut, à savoir la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation, sont toutes applicables en l'espèce. Elle a également envisagé d'autres formes de réparation, telles que la réparation symbolique.